Le pain à 150, un peu, tout est monté un peu partout. C'est à prendre ou à laisser. 150 francs CFA, c'est le nouveau prix de la baguette de pain. Un nouveau tarif fixé par les boulangeries et déjà appliqué à certains points de vente. Le prix a changé ce matin. Nous vendons désormais le pain à 150. Certains clients acceptent l'acheter, par contre d'autres refusent. Ils nous l'ont cédé à 125 pour qu'à notre tour, on puisse revendre à 150. L'emballage déduit, notre bénéfice est de 15 francs à peine. À la boulangerie, l'on attribue la hausse du prix du pain à l'augmentation du prix du sac de blé sur le marché. Pour pouvoir s'en sortir, c'est forcément qu'on va augmenter le prix des pains. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Le changement de prix suscite le désarroi des consommateurs, mais encore plus celui des vendeurs. Ces intermédiaires qui, le plus souvent à moto, livrent le pain aux bonnes dames, bravant les intempéries. Leur commission disparaît désormais, car le pain est pris à la boulangerie à 125 et cédé aux revendeuses au même prix. Le problème là maintenant, c'est entre les directeurs de boulanger et nous. On va ficeler. Mais normalement, c'est l'État qui ficelle le prix des pains. 2008, on a fait ça, on a fixé le prix. Maintenant, comme les choses sont augmentées, on nous revoit ça encore pour les fixer tous les prix. Pour l'heure, le changement du prix n'est pas encore unanimement suivi par toutes les boulangeries. En lieu et place, certains promoteurs ont choisi diminuer le volume du produit, tout en maintenant le prix de cession pratiqué jusqu'ici.